Bonjour à tous, c'est Richtofen02 de la chaîne Cyril Tuto. Alors, comme promis, voici la deuxième partie du mode extinction, de la partie de mode extinction donc du nouveau Call of Duty Ghost, où nous allons, avec la team Barjo, nous enfuir. Donc, vous allez voir vers la fin, donc enfin, je vous en. Bon, tant pis, je vous spoil. Vers la fin, on va tous mourir, sauf Liberty, donc Alex. Il va faire son médecin, va nous ranimer et après on va réussir à partir. On a eu vraiment chaud sur la fin, mais bon, enfin voilà. Qu'est-ce que je peux te dire donc sur ce mode? Il est pas trop mal. Il est pas aussi. Enfin moi c'est mon avis. Hein. Il est pas aussi élaboré que le mode zombie. Donc il y a pas pour moi, il n'y a pas d'histoire à proprement parler. Parce que. Donc là, il y avait pour le zombie, il y avait des secrets. Il y avait après on. C'était vachement basé sur l'histoire, je trouve, le zombie. Que sur ce mode, c'est un peu du rentre-dedans. Enfin, c'est vachement. Ouais, c'est vachement. Moi, c'est bien, c'est un bon mode. Hein. Je dis pas le contraire. Mais personnellement, je préfère le zombie. Mais un truc que j'aime bien par rapport aux zombies, donc ça c'est pas mal. C'est que vous pouvez vraiment établir une stratégie avec votre équipe sur ce mode. Je m'explique. Donc vous avez comme des espèces de système de classe. Donc vous avez le blindé, l'ingénieur, le médecin. Et il y a aussi un autre. Donc ça j'utilise jamais. C'est un espèce on va dire un assassin en fait. Il a des. En fait son truc c'est qu'il a des dégâts de balles accrues. En fait ses dégâts sont accrus. Donc moi personnellement j'ai pris ingénieur sur cette partie. Donc moi ma stratégie quand c'est comme ça, donc déjà je vous conseille de jouer à 4 parce que tout seul c'est même pas la peine. Enfin je trouve que c'est un mode de jeu où il faut jouer avec des potes, avec des collègues. Vous pouvez facilement vous amuser et puis c'est sympa, je trouve que c'est pas mal. C'est un mode qu'il faut jouer à plusieurs, obligé. Donc moi j'ai pris ingénieur, donc moi ma stratégie j'ai fait comme ça dans la partie, c'est que j'ai augmenté mon personnage à fond la caisse. Donc ma classe d'ingénieur, donc moi ce qui me permet d'avoir ça offre comment dire les dégâts, donc j'ai augmenté mon ingénieur à fond, donc ma particularité du personnage en quelque sorte, donc qui m'offre des dégâts, des pièges, les dégâts des pièges sont très importants, la foreuse je la répare extrêmement rapidement, puis elle a plus de points de vie. Enfin, après, c'est tout des petites stratégies, des petits plus par rapport à chaque personnage qui peuvent vous donner l'avantage. Donc après que j'ai amélioré donc mon personnage, donc mon rôle principal, je me suis concentré sur le blindage. Donc c'est de l'armure, hein, c'est une espèce de gilet pare-balles. Donc moi mon rôle c'est ça. Donc j'ai d'abord amélioré mon personnage, ensuite j'ai amélioré mon blindage, et après j'ai amélioré la tourelle et le bouclier en même temps. Donc le bouclier qui est pas trop mal, je trouve qu'il est vachement bien. Donc quand vous avez un gros rhinocéros, donc ça je vous allez voir après ce que c'est un rhinocéros. De toute façon vous ne pouvez pas le louper. Donc vous allez voir quand vous voyez un rhinocéros et vous avez un bouclier, ben, ça peut pas mal vous être utile, ça peut vous sauver la vie. Donc voilà. Puis les tourelles bien sûr, tourelles automatiques, franchement c'est le top. Vous êtes à 4 à avoir des tourelles, franchement ça fait de gros dégâts. Donc vous pouvez avoir 8 tourelles en tout si vous améliorez vos tourelles à fond, bien évidemment. Donc voilà. Donc oui, donc je vous ai à peu près tout dit. Donc nous on s'est réparti les tâches comme ça. Donc un qui améliorait les munitions à fond, explosifs. Après un autre qui donnait des boosts pour courir plus vite, des instant boosts, un truc comme ça, je sais plus trop. Comment ça s'appelle. Puis voilà. Donc en fait, moi ce que je vous pensais, c'est de jouer à plusieurs et établir vraiment une stratégie. Qui améliore quoi en premier, tout ça. Ça peut vachement être utile, c'est vachement intéressant, je trouve. Mais sinon, le mode zombie, je préfère largement le mode zombie. Donc je vous mettrai pas beaucoup de vidéos du mode extinction, j'en suis navré. Donc à moins si bien sûr vous en voulez plus. Donc à vous de me le dire. Hein. Vous faites ce que. Je fais des vidéos pour vous. Hein. Pas de soucis. Donc voili-voilou, je vais vous laisser regarder la fin du gameplay. Donc on arrive à survivre, à s'enfuir. Donc c'est marrant, ça c'est drôle. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, plein de bisous. Sur ce, à la prochaine les gens. Ciao, bye bye.